Salut tout le monde, c'est Benoît! Cara! Marie-Lune! C'est Luca! Tester Alpha! Antithèse! Trinity! Pour une vidéo spéciale Lays! Alors, pour ceux qui ne savent pas, il y a un concours en ce moment avec la compagnie Lays qui font que. Ils ont sorti des sortes de chips assez bizarres, mais créés par le monde, pour savoir quelle sorte va rester. Alors, il y a quatre choix, et on va les essayer à soir, en gang! Réaction instantanée. Ouais. Ok, les quatre sortes, c'est sandwich grillé au fromage et ketchup. Ça, est-ce que tu le montres, s'il te plaît? Appétissant. Pas vraiment. Salade César crémeuse. Encourage tous ceux qui sont consommés par leurs calories. Original. Original. Pour le canadien en vous. Et pour finir, on a pierogi, bacon et oignon. C'est quoi un pierogi? Je sais pas quoi dire. Pierogi, c'est comme un petit. Pas un ravioli, mais un affaire fourrée, genre. Oh! Un pierogi? C'est bon, les pierogis. C'est d'origine polonaise. C'est on très commence bon, super pierogi. Ah, ok, on commence par pierogi. C'est parti. Fait que tu vas faire passer le siècle. Et plus, c'est quoi? C'est des ruffles ou des laces? Non, c'est des laces. Des laces. Désolé pour la confusion. Ouais, je sais. Écoute, ça goûte les all day. Et voilà. Oui, ça sent les chips assaisonnés, je trouve. Justement, c'est ça. Les assaisonnés all day, oui. Voilà. Ouais. Mais les ruffles font mieux en all day que. Oui. Tu l'as d'oignon en petit, en tout cas? Ah, le bacon, mais plus. Oui, le bacon, j'ai goûté. C'est bon, mais pas. C'est pas. Non. Une sorte de chèvre de bacon. Moi non plus. C'est correct, là. Je goûte le bacon, je goûte l'oignon. Ouais, ouais, c'est ça, mais. Comme si tu avais un mélange entre le crème sur l'oignon et le bacon. Ouais, quelque chose de même. Bon, le prochain. Bon, ben écoute, c'est pas si bien pour l'instant. Fait que là, on va essayer orignal à l'érable. Ah, ça, j'en ai hâte. Genre, savoir qu'est-ce que ça goûte du truc à l'érable, un bouchet sauvage. Oh, ça, c'est ça. Ça sent l'orignal. Ça sent l'orignal aussi. Ça sent le poil mouillé. L'orignal écrasé, c'est ton genre? Ah. Ça sent-tu le chasseur aussi, en arrière? C'est pas inspirant. Non, vraiment pas. Non, non, ça, le chasseur, oh, je le sens déjà. En fait, non, c'est un espèce de goût fumé. C'est ça? Mais la mixture est comme. Ça goûte beaucoup l'orignal, là, ça goûte pas l'érable. C'est très fade, non? Ah, c'est décevant! En fait, est-ce que ça goûte le fruit point final, l'érable point final? Ça goûte l'arbre, l'érable fumé. Ah, ok. D'accord. Non, pas la nage, ça n'a pas marché celui-là. Orignal à l'érable, je pense pas que c'est la meilleure sorte. C'est île aux morts. Île aux morts, Newfoundland, NL. NL, c'est quoi? Ok, probablement. New Labrador, le nouveau Labrador. Non, Newfoundland. C'est normalement, NL, c'est Newfoundland, mais je ne pense pas que NL est pour celui-là. Oui. Mais je ne pense pas que ce soit ça. Non, c'est le goût est vraiment bizarre. Le Friends qui vient de l'île aux morts. Ouais. Ça a l'air vraiment spécial. Moi, j'aime ça. C'est méchant, mais que ça reste là. Ouais. Salade César crémeuse. Selon plusieurs, apparemment, c'est leur préféré. Ouais. Ça sent bonne odeur. Plus encourageant. Plus encourageant qu'orignal. Je sais pas pourquoi, parce que là, il tombe de tout en haut. C'est celui que j'entends le mieux de commentaires. Ça a l'air qui est excellent. Moi, je la sorte qu'il a l'air moins bizarre. Ouais, c'est ça. Parce que lui, au moins, il goûte vraiment ce qu'il dit qu'il faudrait goûter. Non, c'est ça. Ça sent, ça César. Ça goûte aussi. Non, c'est vrai, parce qu'il y a mis la. Il n'y a pas de crème. Plus basé sur. Attends, attends. C'est plus basé fait, sur le, le dressing. Fait que. C'est pour ça. Lui, je l'aime. Lui, jusqu'à maintenant, c'est. Je pense que c'est le grand gagnant. Il goûte beaucoup l'ail. L'ail, le crémeux aussi. Ouais, c'est ça. On sent le crémeux dans la bouche.
C'est vrai, j'y ai tout plein. Ah, vas-y, vas-y. Ça goûte les croutons ouais. à l'ail, César, je trouve. C'est vraiment bon. Je pense qu'à date, on vote salade César. Il y en reste un, il y en reste un. Et nous reste le dernier, non le moindre. Green cheese. Green cheese et ketchup. C'est qui a eu cette idée-là, first? Ben, ça, on se demandait. C'est Angela Bartlett. Une ontarienne. Ontario. OK. La senteur est correcte. Ouais, ouais. Ouais, ouais. C'est ça. En spécial 2 pour 5$. Et c'est risqué. Ce n'est pas mangeable. Ah! Oh. J'ai pas out là, à cause de ça. C'est effectivement très banal. Non, c'est très banal. Ça sent les chips au ketchup. C'est très banal, tu captes pas. Non, c'est dégueulasse. Non, non. Les goûts sont vraiment. Les goûts sont vraiment. Les longueurs de goût sont vraiment goûte, comme éloignées. C'est ça qui est assez ça intéressant. Ça goûte vraiment la tranche de fromage craft que tu manges cru. T'es capable de goûter, toi. Mais sec en plus. T'es capable de goûter, vous autres. Pas moi. C'est une tranche de fromage craft en poudre. C'est dégueulasse. C'est même pas un goût de fromage dans le lait. C'est un goût de cheddar, c'est vrai. C'est pas comme les chips au cheddar qu'on a. C'est bon, ça. C'est un goût de fromage, c'est une tranche de fromage en poudre. T'as dit ketchup en poudre. Comme il dit, c'est le Kraft Dinner qui est en poudre. Il y en a un autre qui dit. C'est le tranche. Ouais, mais. Ne faites pas dans la phrase. Okay, bon! Non. OK, gang. Deux questions. La première, la pire. Celle-là, celle-là là. Oui. Unanimement, oui. C'est unanime. Fait qu'on dit officiellement Angela. Comment elle s'appelle, Angela? Angela Bartlett. Calice, où est-ce que tu vas? T'as plomb! T'as des goûts bizarres! On veut-tu trouver son numéro est dans enceinte? Le bottin? On n'a pas de point là. Elle est enceinte, hein? Une chose que. Ah oui! Crème d'acier et cornichon. Ah oui, oui, c'est ça! Tiens, elle a crème d'acier et cornichon. Et je rajoute ta terre, France. Écoute, t'es peut-être un bûcheron, mais nous, on n'aime pas ça. C'est neutre, mettons. Il y a même la photo du monde en arrière. Oui! Ben oui! Hey, Angela Bartlett, c'est une blonde! Elle est blonde! C'est toi! Ça, c'est peut-être dans la caméra, là, mais on va essayer. Oh. Non? Oui, non? Non. Non, t'es correct. Bon, alright. Luca Crossford pour tes pirogues bacon et oignon, pas ben ben original. Non. Correct, c'est bon. C'est bon, mais c'est pas la meilleure chose. Ouais, c'est ça. C'est un bon deuxième position. Ouais, c'est bon. C'est notre premier. Ah oui! Yeah. Youhou! Je suis content d'avoir un grand sac, comme ça on va pouvoir tout ça se passer à toi. Jim Monroe, félicitations! Yeah! Colombie-Britannique! En plus? Oh! Nice! Il y a de loin celle-là! Fait que, il est raffiné, le Colombien. Fait que, si vous avez fait, si vous avez mangé ces sacs-là, là, laissez-nous un commentaire en dessous. Ouais. Puis yeah. Également, abonnez-vous à chacune de nos chaînes. On va laisser les adresses tout au cours de l'écran. Vous allez pouvoir voir chaque personne si vous voulez vous abonner à leur chaîne. Aimez la vidéo, partagez-la. Fait que, sinon c'est tout. Je pense qu'on peut finir ça là. Ouais, ça fait le tour. Bien. Fait que c'était Big Ben. Cara. Marlene. Taluka. Alpha. Antithèse. Trinity. Pour la vidéo dégustation de l'Aise, on va en faire une autre la prochaine fois parce que c'est vraiment le fun. C'est cool.